La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le voyage en train jusqu'à Marseille. Aujourd'hui, c'est la suite de cette aventure pour découvrir la ligne de la Côte Bleue. Sur ce, bon visionnage. La ligne de la Côte Bleue, reliant Marseille à Miramas sur 51 km, a été construite de 1907 à 1915, au temps de la célèbre compagnie PLL, compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon Méditerranée. Les gares, quoique de trois tailles différentes, sont identiques tout au long du parcours, couronnées d'un bandeau de faïence ponctué de leur nom. Quelques 3000 personnes empruntent chaque jour ce chemin aux 18 viaducs. L'été, c'est la ligne des plages et des calanques, entre Marseille et la Rodonne. C'est pour ça que la ligne est réputée par ses paysages magnifiques. Elle est une des plus belles lignes ferroviaires de France. Pour commencer, je prends le train en gare de Arrac, Euroméditerranée, une gare intermédiaire de Marseille, située pas très loin du port. Après ça, je vais faire de la rando de 12 km pour se rendre en gare de Saucé-les-Pins. La balade que je vais faire longe la côte et bien sûr on s'attend à avoir de beaux paysages. Bon, évidemment, on en profite un peu avec ce beau soleil. Ça fait toujours plaisir de faire de la rando. Il faut pas trop traîner parce que la gare, la prochaine gare d'arrêt du train, tout là-bas, d'accord, on la voit même pas. Après un peu de 5 heures de marche, me voilà devant la gare de Saucé-les-Pins pour prendre le train et retourner à Marseille.
voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager vos amis. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà pris cette ligne ?